Ah, vous êtes là, bienvenue sur Another Homepage. Je vous en prie, hein, venez vous installer. Allez, salut à toi, Digitalaise. C'est cool que tu sois déjà arrivé. On va attendre les autres, ça va pas arriver, ça va pas mettre bien longtemps. Donc, bienvenue encore. J'espère que vous avez passé une bonne journée. On fait ce stream exceptionnellement un mercredi. J'espère que malgré tout, il y aura du monde. Et on va continuer, comme à chaque fois courant de la semaine, à s'occuper de notre petit labo virtuel. Alors, de quoi exactement est-ce qu'il s'agit? Eh bien, ce labo virtuel, le principe, c'est que je me suis dit, ce serait chouette si on pouvait maqueter quelque part une portion d'Internet. Et quand je dis d'Internet, c'est vraiment d'un point de vue réseau. C'est-à-dire comment est-ce que sur Internet, différents opérateurs peuvent communiquer entre eux. Comment un ordinateur fait pour aller envoyer sa petite requête vers un site Internet, peu importe lequel. Et donc j'avais déjà, il y a plusieurs mois, voire même une bonne année de ça, j'avais fait une première maquette, mais des fois, quand on fait des tests, il se trouve qu'on n'arrive pas à revenir à l'état d'avant. Et donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire cette maquette, de la refaire, en tout cas d'en refaire une nouvelle version, avec des outils d'infrastructure as code, pour pouvoir automatiser l'installation, le déploiement, et bien entendu, la remise à un état d'origine. Salut à toi, Christmas29, bienvenue. Et donc, eh bien, à quoi ressemble j'ai envie de dire cette maquette? Eh bien, pour le moment, elle ressemble à ceci. Et ceci, en fait, ce sont donc tout simplement tout un tas de machines virtuelles qui sont connectées ensemble via des réseaux eux aussi virtuels et qui vont symboliser différentes machines, différents services, différents réseaux, de façon à quelque part maqueter l'Internet mondial et convivial. Alors, si je prends comme d'habitude ma souris et que je sélectionne tous ces éléments-là, eh bien tous ces éléments sélectionnés, là, ils sont virtuels. Ce sont des machines virtuelles. Cet élément-là en bas à gauche n'existe pas, celui-ci non plus pour le moment, mais on verra à un moment si on peut les faire. Et en fait, tout ça, c'est sur une seule machine physique qui se trouve donc sous mon bureau, comme toujours. Et j'y accède par le biais d'une autre machine physique, qui est ma machine de stream, par laquelle vous me voyez. Et de cette façon, en fait, si un jour, eh ben, j'ai besoin de... Je peux utiliser donc, en fait, toutes les ressources de cette machine physique pour créer autant de machines virtuelles que je le souhaite. Alors, certaines font serveur DNS, comme celle-ci à gauche et celle-ci à droite. Et les 6 qui sont là, avec les flèches, sont en fait des routeurs et viennent en quelque sorte symboliser des opérateurs réseau, des fournisseurs d'accès à Internet. C'est bon, mais c'est chaud. Alors, si je zoome un peu, hop, pas trop fort non plus. Hop, voilà. On peut voir qu'à chaque fois, j'ai numéroté mes fournisseurs d'accès en les appelant ISP1 jusqu'à ISP6. Et ils ont tous un numéro d'AS, puisque, en fait, ces 6 routeurs sont interconnectés ensemble et, comme sur Internet, communiquent ensemble via le protocole de routage dynamique BGP. Alors, on ne fera pas forcément du BGP sur cette vidéo. On va plutôt continuer à avancer sur une de ces 3 machines, sur laquelle j'ai l'intention de mettre une application web utilisant une base de données MySQL, et on va pouvoir ensuite revenir à d'autres moments sur, pourquoi pas, sur du BGP ou sur d'autres sujets. Cette machine-là est un peu particulière, puisque cette machine-là me permet justement de m'aider dans le déploiement et l'automatisation de la mise en place de pas mal de choses. Et en gros, comment tout ça fonctionne? Eh bien, tout ça s'est déployé automatiquement via Terraform. Les configurations initiales des machines virtuelles sont réalisées via CloudInit. Et ensuite, quand il y a des configurations supplémentaires via cette machine-là, j'utilise pour cela Ansible.
Bonsoir à toi, Fixoulab, bienvenue. J'espère que t'as passé une bonne journée. Et là, on va se dire, mais ça fait beaucoup de code, tout ça. Oui, ça fait une jolie quantité de code. Et ce code, est-ce que je peux vous le montrer? Est-ce que je peux vous le montrer ailleurs que juste à mon écran quand je fais mes manips et quand vous allez me voir ajouter des éléments? Eh bien oui, il est disponible. Ce code-là, il est non seulement disponible, mais vous allez pouvoir jouer avec si vous le souhaitez. Hop, le voici sur mon dépôt GitHub, que je vous envoie d'ailleurs dans le chat. Et vous allez pouvoir voir comment j'ai démarré, comment j'ai rajouté des choses. Vous allez pouvoir lancer vous-même cette maquette, pour peu que votre machine ait la puissance nécessaire. Et ensuite, eh bien, vous pourrez, si vous le souhaitez, faire des modifs. Et vous pourrez même, si le cœur vous en dit, me proposer vos modifs. Puisque le code de cette maquette est donc libre et sous licence BSD 3 Clause. Alors, hop, j'ai cliqué, c'est pas forcément... Hop. En tout cas, l'idée, c'est de vous dire que voilà, c'est libre. Vous pouvez en faire presque ce que vous en voulez, puisque la licence BSD prévoit le fait que si vous avez envie de monter un produit commercial à base du code que j'ai proposé, bah vous pouvez. Voili, voilou. Hop. Donc, maintenant qu'on est là, eh bien, je vais aller me connecter justement sur cette machine-là, puisque c'est sur cette machine-là que depuis 2-3 streams, on vient faire quelques manips. Et je vais commencer par... je vais reprendre mes habitudes. Ping, voilà. Donc celle-ci, elle fonctionne. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais prendre un navigateur web qui est ici, et que je vais reconfigurer au niveau des paramètres de proxy. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Eh bien, je fais ça pour une raison très très simple que je vais vous expliquer. C'est que, comme on l'a vu ici sur ce schéma, je voudrais dézoomer un petit peu. Bon, j'aurais aimé zoomer un petit peu, mais pas trop. Voilà, ça m'a l'air pas mal comme ça. Eh bien, dans ce principe-là, en fait, pour l'instant, il n'y a pas de machine, comment dire, il n'y a pas de machine avec une interface graphique. Pour le moment, c'est que de l'équipement réseau, on va dire, ou du serveur. Et si on met en place un serveur web, par exemple ici, ou là, ou même là, on aimerait bien, de temps en temps, voir le contenu, parce que c'est bien gentil de mettre en place du code, de faire des commandes, mais des fois, on aime bien avoir une vue un peu graphique des choses. Et cette vue un peu graphique des choses, pour l'obtenir, en fait, je me connecte en SSH sur cette machine-là et j'en profite pour faire un tunnel SSH et je monte aussi un proxy SOX dessus. Et grâce à mon tunnel SSH, je peux configurer un proxy SOX local sur ce navigateur, sur cette instance particulière, et ensuite je n'ai plus qu'à faire http://, donc ISP1VPS, ISP3, voilà, vps1.example.com, et alors vous tombez sur la même chose que mon site perso, anotherhomepage.org, mais c'est une instance, entre guillemets, locale, c'est-à-dire que ce code est bien exécuté depuis l'une des machines virtuelles du labo. Voilà. Et donc tout ça avait été déployé de façon automatisée. Je vous ai même pas demandé si le son était suffisamment fort, mais pas trop. J'espère que vous m'entendez correctement et que vous entendez un peu la musique. Et si jamais ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire de façon à ce que je pousse un petit peu le son. Alors, la machine sur laquelle on avance ce soir, c'est ISP3VPS2.example.com. La connexion a échoué. Pourquoi ça? Ah oui, c'est comme d'habitude. C'est comme d'habitude, je me fais avoir à chaque fois.
ISP3 VPS2 pour example.com. Voilà, je vais finir par me faire un alias d'ailleurs. Ah, elle a son casque, alors je vais pas lui dire, je vais pas lui dire tout de suite. Mais merci pour elle. Et le son est nickel. Bon, parfait. Alors, sudo systemctl status nginx. Et on peut voir qu'il est inactif. Parce qu'il est tout disable. Et je sais plus... Oh, bon, on verra. Je vais faire un... systemctl enable nginx. Je vais me faire enable moins now si je me rappelle bien. Je crois que ça le lance aussi. Voilà. Et il est lancé. Donc, si je reviens ici. Alors, ce qui est un peu. Comment dire. Ce qui est à la fois une excellente chose, mais ce qui est un petit peu parfois embêtant, c'est que Firefox, quand il n'arrive pas à se connecter en HTTP, ensuite il tente de se connecter en HTTPS. Et comme vous pouvez le voir, à chaque fois, il faut que j'enlève le S pour continuer à me connecter en HTTP. 502 Bad Gateway. Voilà. C'est exactement là où on en était resté la dernière fois. Parfait. Je crois que j'avais fait juste une petite etc etc nginx. J'avais juste dans le conf.d hop et j'avais mis ici, voilà, j'avais mis un var run. Alors, est-ce que c'était bon? Hop, var run php fpm, non, hop, c'est ça, il manquait le php fpm, hop, hop, puis enfin un restart. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui, parfait. Donc on a notre appli. La question que je me pose aussi, c'est est-ce que dans MariaDB, est-ce qu'on avait database, hop, use dvwa show table empty set. Ok, donc la base de données est vide. Alors, tatalitadum. Est-ce qu'on a un truc d'installation qui traîne quelque part? Je pense que je vais aller regarder dans le readme.md. Est-ce qu'ils ont un site de mémoire? Oui, mais je crois que la fois dernière, j'avais voulu y aller et ça avait été un peu la blague. Bon, on va faire dvwa. Hop, dvwa, c'était sur GitHub, je crois. Hop. Voilà, DigiNinja. Alors... Ce que je voulais, c'était voir la procédure d'installation. Download, installation, config file, ça on l'avait fait. Linux packages, bon, ça on a vu. Database setup, voilà. Donc, to setup database, simply click on the setup main menu. Ah, du coup, il faut quand même qu'on se connecte avec le premier. Voilà, default credential, admin password. Ok. Admin password, hop, et donc là on peut faire un set. Ah, PHP URL include disable. Ah, donc ça on va peut-être aller le rajouter. Pour le rajouter, on va commencer par revenir en fait notre machine de déploiement Ansible. Et on va aller dans SRV git la base code Ansible. Voilà. Alors, je crois que j'ai un paquet de trucs qui sont toujours pas commités, mais on le fera, j'espère on le fera ce soir. Je voudrais commiter une fois que c'est prêt, grosso modo.
On va faire un petit vim-p pour avoir plusieurs fichiers. Et je voudrais lire celui-ci. Je voudrais lire celui-là. Et celui-là. Ah, d'accord. Voilà les petites blagues qu'il va falloir que je corrige ce soir. Donc, corriger le chemin. Et en fait, il est ici. Donc, c'est php-fpm. Voilà. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre à modifier? Parce qu'il faut le modifier ici, mais il faut aussi le modifier au niveau de PHP. Et en fait, ça, on va plutôt faire dans les variables, parce qu'on a plein de variables, si je ne dis pas de bêtises, pour le rôle qu'on a utilisé. PHP-FPM. Voilà. Une fois que ça, c'est vu... Une fois que ça c'est vu, il va me falloir. Il va me falloir. Qu'est-ce qu'il disait? Que la fonction allo URL include est disable. La fonction URL include est disable. Alors on va aller regarder ça. Est-ce que si je dans etc php. -fpm.d. Si je regarde dvwa.conf, bon ça c'est juste un truc de base. Et si je fais un petit vi du php.ini, et c'est le allo url include slash url underscore include, il est à off. Est-ce que par hasard on peut modifier php.ini via Ansible? Je pense que oui. On a un certain nombre de choses là. Je pense qu'il va falloir qu'on aille regarder dans la documentation de notre rôle. La documentation de notre rôle Ansible. Donc, si je retourne sur Ansible Galaxy. Et que je vais chercher Girlinguy, puisque c'est de lui qu'on utilise. Hop, Girlinguy PHP. Bon, a priori, c'est cool. Vous êtes au rendez-vous ce soir. Il y a un peu de monde. J'espère que vous avez toutes et tous passé une excellente journée. Alors... Readme. Salut à toi, Mortalius. Bienvenue. Alors. PHP.ini settings. Ah, voilà. Alors, est-ce que par hasard... PHP use manage ini true. Essayer des choses hein. Alors si jamais je vais chercher, donc c'est quoi, c'est le URL include, on sait jamais, est-ce qu'il l'a documenté quelque part? Je ne le vois pas. Essayer d'aller voir sur GitHub, puisque le code source, voilà, GitHub repo. Bon, là, on revient sur la même documentation, en fait. Hein. Mais le principe, c'est qu'en fait... Ah, d'accord, il a que ces variables-là.
Il a que ces variables-là et je peux essayer de le manager moi-même. Remarque, il a un Allo URL fopen qui est là. Mais il n'a pas un Allo URL include? Eh, vous savez quoi? Je vais tenter ma chance. Est-ce que j'ai dit Allo URL fopen là-dedans? Non, puisque le default, c'est donc ce qu'il indiquait. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais tenter un truc du genre URL include. C'est ça que je voulais. C'est ça, ouais. Et là, je mets deux points. On va lui dire on. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, alors là, je suis sur la machine. Et ben, je vais revenir ici. CD, on va aller là-dedans. Et on va se faire un rm-vf du tmp ansible.log, comme ça au cas où. Ah, je l'avais déjà effacé. Ah, remarque, il a dû s'effacer à l'extinction et au reboot. Donc, ce que je peux tenter de faire maintenant, c'est faire un ansible. Hop, playbook. Salut à toi, Cool Geek, bienvenue. Alors, c'est pas le Nginx démo que je veux. Et on va le faire directement en moins D. Voilà. Il y a ce petit warning là qu'il va falloir quand même que je... Tu viens de regarder dans le rôle, la variable est fixée à off en dur. Ah, il faudra le modifier à la main. Ok. Ok. Donc la variable ne... J'ai espéré que la variable existe, mais en fait elle n'existe pas. On va aller regarder ça tout de suite. Merci d'avoir jeté un œil, Cool Geek. Effectivement, elle est... Salut à toi Yoda, j'espère que t'as passé une bonne journée. Hey, mais j'ai loupé Dexter. Bienvenue à toi Dexter. Oh bah oui, écoute, ça passe, ça se passe bien. Effectivement, il y a un certain nombre de variables qui sont carrément. Effectivement hard-codés. Je comprends qu'ils puissent pas toutes les mettre, mais il n'empêche que dans certains cas de figure, ça aurait pu se faire. Ok, donc a priori sur celle-ci. Alors, hop, juste par précaution, je vais peut-être tenter un système CTL restart Nginx. Ok, ça passe. PHP-FPM, ça passe. MariaDB, ça passe. Ok. Si je reviens ici. Ah, c'est un système error. Ah, bah oui, mince, oui. Faudra que je lui dise de le copier. Sinon, je peux utiliser le module line in file pour faire la modif. Eh ben écoute, Cool Geek, on va regarder ça. Merci du tuyau. Tu m'évites de perdre beaucoup de temps de recherche. Donc c'est cool, merci. Déjà, servait 3wdvwa. Non. Ah oui, sp3. Public. Et si je me rappelle bien, dans config. Et ce que j'avais fait, c'est un hop, ça en ça. Hey, merci beaucoup pour le follow, Joshuk. Merci à toi. Normalement, voilà, tous les trucs étaient laissés par défaut.
Tu bouffes du Ansible à longueur de journée ou presque. Alors c'est très gentil à toi de venir en plus me regarder faire du Ansible le soir. T'es réellement motivé. Hein. Voilà, donc effectivement, le URL include est disable. Recaptcha key missing normal. Writable folder. Ah tiens, faudra qu'on pense à modifier ça. La config, ben non, elle est pas... Ah. Root, root, oui, ça c'est normal. Create reset database. Et ben, on va la créer et puis on verra bien ce que ça donne. Hop, et voilà. Et donc là, normalement, admin, password. Et voilà, on a donc notre appli qui est installée. Et normalement, il devrait être capable de nous donner, voilà, setup reset. Et il nous redonne cette page-là, avec les trucs qui manquent. Donc, on va pouvoir tenter de faire ce petit truc-là de Hello URL Include. Et pour le reste, alors, ce qu'il faudrait que je fasse idéalement... Ah oui, c'est vrai que j'ai tout mis en route-route, je me suis pas pris la tête, j'ai pas créé d'utilisateur spécifique. Bon, déjà on va s'occuper de cette histoire de d'options. Alors, hop, pas ici. Plutôt ici. Alors, tu m'avais dit line in file. Manage lines in text files. Mm-hmm. Alors, quel est le principe? Exemple. S'assurer que sur Linux, c'est en enforcing mode. C'est très bien, ça. nanana. Ok. Replace localhost entry with your own. Bah c'est très bien ça. Donc, on va faire un truc du genre... On peut peut-être faire un truc dans ce genre-là. De toute façon, on va voir ensuite. Hop. Alors, si on installe PHP, ce qu'on va faire, c'est... On va aller ici. On va plutôt faire ça. Voilà. On va lui dire... Update. Ah bah, en plus, CoolGeek, tu me donnes toutes les solutions, dis donc. Alors. Je voulais faire update php.ini with... on a dit quoi? Hop. La URL, hop là. Non, il n'y a pas de souci, CoolGeek. Je crois que d'ailleurs j'ai indiqué le backsitting allowed sur ce live, sur la plupart des lives d'ailleurs, sauf rares exceptions. Généralement, le fait de donner des conseils sur quoi faire est autorisé. Alors, search string, et ben. Alors, ce qu'on cherche, effectivement, c'est un hello URL include égale off. Hop. Et je crois qu'il faudrait plutôt que je lui fasse une regex, ouais, effectivement.
Et pour toi, ce serait carrément line. Ah oui, ce serait là. Ce serait pas un search string. Ce serait une line. Hello URL include. Hop. Comme ça. Oui, c'est bien. Tu comme ça, tu penses idempotence. Donc, on n'a pas besoin de match toute la ligne. Tout à fait, tout à fait. Donc le search string, hop. C'est search string ou c'est regex du coup? Search string. Ah, on peut faire regexp. Ok, donc on va mettre regexp. Effectivement. Hop, et on lui met effectivement un point étoile. Hop, non, je voulais mettre ça. Voilà. Donc ça, ça devrait le faire. Par contre, il faudra penser à relancer PHP après. Et je ne sais plus si on a, grâce au rôle de Jeff Gehring, je ne sais plus si on a accès au module. Alors je pensais pas au module service, mais je me demandais s'il n'y a pas carrément une mince, pas une task, mais ah, j'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom du truc. On peut faire un truc et ensuite de lui dire au fait, pense à restarter PHP FPM. Dans les rôles. Hop, PHP. Un handler, voilà. Qu'est-ce qu'il a dans les handlers? Hey, merci beaucoup pour le follow. Cité cube, tu me diras comment ça se prononce. Hop. Under main. Alors il fait un restart PHP FPM. Ouais, c'est ça, notify. Voilà. Et je ne parle pas du tout espagnol. Siete alors, je suppose. Bah écoute, et puis merci pour le compliment d'ailleurs. Alors, donc le chemin là, je l'ai corrigé. Il faudra que je refasse encore les petites histoires de SE Linux. Mais je crois qu'on avait des trucs avec Nginx de mémoire. J'avais fait des choses au niveau SE Linux. Alors, name. Ah, j'ai fait un SEF context. Ou alors je balance carrément une commande, effectivement. Alors, oui, effectivement, Yoda qui lui est très attentif à la. Comment dire, à la sécurité d'un serveur web exécutant PHP, parce qu'effectivement on peut faire plein de bêtises dans PHP. Pourquoi est-ce qu'il me viendrait l'idée saugrenue d'autoriser PHP à faire des inclusions d'URL distantes? Parce que dit comme ça, c'est une mauvaise idée en fait. Ça veut dire que PHP peut inclure des fichiers PHP qui viennent d'ailleurs sans forcément qu'il y ait de vérification. Alors, Cool Geek, tu es pas certain que le rôle... On va voir ça, justement. C'est l'occasion de vérifier. Yoda, c'est parce que l'application PHP que j'installe, c'est DVWA. Donc, c'est une application qui est volontairement vulnérable. Et pour l'exemple, forcément, il veut quelques options, on va dire, un peu, voilà. Voilà, quoi. C'est pas...
Mais oui, tout de suite, quand je te donne le nom de l'application web, ouais, les choses s'éclairent. Logique. Logique. Alors. Pop-pop-pom. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ici. Je vais le mettre ici d'ailleurs. Hop. Et je vais dire avec SE Linux. Et d'ailleurs, ce que je vais peut-être même faire, c'est modifier ici aussi. Je vais lui dire comme ça. Voilà. Tout à fait, c'est Vim. Pop, 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 pom, et on va lui dire allô. Allô, Nginx PHP tout pom. Hop. Bah tout connect tout database. Hop, voilà. Et donc là, la commande, on va pas s'embêter la vie. Hop. Je vais la mettre comme ça. Voilà. Pop, 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 pom. Donc ça a l'air d'être bon. Et il y a juste cette histoire de notify, restart PHP-FPM. On va voir ce que ça donne. Est-ce que Ansible va me laisser faire? Ça, c'est bon aussi. Bah non, ça, du coup, c'est pas bon. Hop, ça, on s'en fiche maintenant, vu que c'était absolument pas géré au niveau variable. Je crois que j'ai quitté un. Ouais, j'ai quitté un fichier. Comme j'aime pas. J'aurais pu le faire autrement, mais hop, ça va plus vite pour moi, comme ça. Donc, ça, maintenant, c'est bon. On va faire un petit top. Hop, et on va relancer notre rôle. J'efface le log. Et puis, on va relancer le playbook. Et on va voir s'il me, s'il m'insulte ou pas. Il ne m'insulte pas pour l'instant. C'est plutôt bon signe. Alors par contre, effectivement, mes histoires de SE Linux, là, il faudra peut-être que j'essaye de les rendre idempotents, parce que du coup, en fait, à chaque fois, ils réappliquent la commande. Et c'est pas très classe. Mais déjà, je me suis rappelé que j'ai quand même beaucoup de choses à améliorer. C'est vrai que j'aimerais bien créer un utilisateur spécifique pour le serveur web. Enfin, en tout cas, pour le code, pour le. Pour l'application, parce que là au final tout appartient à root, c'est un peu ennuyeux. Bon, et ben voilà, on a la réponse, on a la réponse, Kuldik. In the listening handler list. Ah! Alors du coup, je vais peut-être aller chercher ça. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose en fait. Sauf que je vais juste enlever le... Ça. Ah bah d'ailleurs, il y a des gens qui disent restart Nginx. Voilà. Docker status.
Ah, il y a peut-être moyen d'importer des choses, visiblement. Mais effectivement, je pense que je vais balancer un. Ouais. Alors dans ce cas-là, module service, ouais, on va peut-être carrément restarter Nginx en fait. Alors. Oui, bah c'est très bien comme ça, voilà. Alors effectivement, le mieux, je pense, le plus propre serait réellement d'avoir un handler, mais pour le moment, je veux juste faire les choses vite fait, voir que ça marche. D'ailleurs, on ne va pas faire un reload, on va faire un restart. Voilà. Ben, on va pouvoir repartir. Allez. Le restart de Nginx. Alors non, effectivement, je devrais peut-être restarter PHP-FPM avec. Et surtout qu'en fait, c'était pas Nginx qu'on voulait restarter, c'était effectivement PHP-FPM. Bien vu, Cool Geek. Bien vu. Tu es un œil de lynx. On va attendre qu'il ait fini. Hein, de toute façon. Voilà, et on va tout de suite le relancer. Parce qu'a priori, le restart de Nginx n'est pas nécessaire. Mais d'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que j'ajoute de toute façon un truc à un moment, puisque c'est vrai que j'arrivais pas à voir l'activation par défaut de Nginx. Ok, alors maintenant on va revenir ici. Alors là normalement il devrait ronchonner. Hein. Voilà, il ronchonne. Ça c'est pareil, c'est un truc on le corrigera un peu plus tard. Hop. Voilà. Admin, password. Ah oui, c'est vrai que la base de données n'a pas été touchée. Donc, on va pouvoir aller ici dans le setup reset et on peut voir que du coup. Il est content. On va aller vérifier ce qui se passe quand même, nous, au niveau du etc php. Hop.ini. Et où est-ce qu'il a touché ça? Voilà, il l'a mis à on. Parfait.
Donc de ce côté-là, on est bon. Il y a juste les trucs là qui ne sont pas disponibles en écriture. C'est pour ça que je voulais créer un utilisateur qui ait le droit d'écrire là-dedans, en fait. Mais en tout cas, pour le moment, on est déjà pas mal, en fait. On est déjà pas mal. Ce que je me dis même, en fait, pour être honnête, c'est que par rapport à ma... Par rapport à mon rôle, là, en fait, il y a des trucs qui sont un peu spécifiques à DVWA. Notamment le fait d'aller chercher... Alors, hop... Justement, c'est d'aller chercher le code via Git, en fait. Il y a un ansible.posix.seboolean. Oh! Ah bah ouais, carrément que je veux. Carrément que je veux. Connexion a échoué. Ah, mais c'est parce que je cherche. Ok. Hop. Mais non. Ça, je m'en fiche. Hop. Donc il y a un module qui est ansible.posix. Tac, tac, tac. Name. Ah bah écoute, allons-y. Alors. Et donc, ah bah, ok. Name, name static persistant. Bah c'est parfait ça. Hop. Can network connect. DB. Voilà. Et bon, on va le relancer, on va le tester. On va le tester. Qu'est-ce que je parlais d'autre? Oui, j'étais en train de me dire en fait, autant il y a toute la partie Nginx, c'est ok, mais c'est surtout la partie où je me disais à un moment, je crois que je fais un git clone. Ouais, là. Voilà. Et en fait, ce que je suis en train de me dire, c'est qu'en fait, toute cette partie-là, je vais peut-être la mettre ailleurs, ou la mettre un peu plus tard, ou alors récupérer l'archive. Et la décompresser parce que en fait, Git, quand on fait un Git clone, ça suppose que le répertoire, ensuite soit, enfin que le répertoire d'origine soit vide. Et ah, remarque, il me fait clone yes, je fais clone yes, update yes. Faudrait que je voie. Faudrait que je voie. Mais je pense que je risque de le retirer. Pour avoir un truc qui est comment dire qui est basique, qui est une coque vide sur laquelle je pourrais me baser pour installer tout type d'application. Mais pour l'instant déjà comme ça ce sera pas mal. Donc on va repartir pour un tour, on va vérifier que notre partie SE Linux fonctionne. Parce que du coup, ce qui est ennuyeux, c'est que là, avec le git clone, en fait, le fichier de conf que je recrée à chaque fois, enfin voilà, il dégage. Puisque le truc me fait, au fait, voilà, je git clone à un endroit, je bouge en plus le truc à un moment. Je sais plus où c'est. Voilà, synchronize, voilà. Synchronize, voilà, c'est pour ça, à mon avis, qu'il le... Donc je vais peut-être revoir ça. Mais en tout cas, déjà, dans un premier temps, tout ça, ça fonctionne. Donc je pense que je vais committer. Et ensuite, on va commencer à, comment dire, à s'occuper des détails. Donc par exemple, l'utilisateur. Et ensuite, cette histoire de repo Git.
Donc si je reviens ici. Alors je crois qu'il y a moyen que je le fasse plus facilement avec des petites astuces bash. Bon. Je vous avoue, c'est pas un truc que j'ai utilisé souvent, mais il faudrait vraiment que je m'y remette. Donc à partir de là, si je reviens ici. Non, il veut que je me relogue. Ouais, il veut que je me relogue, il a reset la session. Voilà. Instruction, setup. Donc on est bon. Ça fonctionne toujours, sinon j'arriverai pas à me connecter. Hein. Security level. Hop, je vous montre, hein, mais. Security level impossible. Donc en théorie, l'application n'est pas si mal fichue que ça. Par contre, il est possible. Voilà, DVWA security. Moi, j'ai plutôt tendance à le mettre en low. Hop là. Et là, il a remis. Ok. Oh, il y a même un truc PHP IDS qui est inclus. Hop là. Salut à toi FCLab, bienvenue. Mais par contre, ce qui pourrait être intéressant, c'est... voilà, ici, on va pouvoir remonter au niveau des... Ben non, on ne peut pas remonter tant que ça. Donc, on va lire... Hop. /tmp-ansible.log et puis on va faire SE Linux. Voilà. Qui dit... Allo, Nginx PHP to connect the database. Et le truc, il était OK. Il l'a pas changé. Et ça, c'est très cool. Ça, c'est très cool. Donc, merci CoolGeek qui cherche pour moi les modules Ansible fort utiles. Hey, merci beaucoup pour le follow. Alors, oh, punaise. Il va falloir vraiment que je me remette au lead speak. Hein. Alors, merci beaucoup pour le follow. Eta Leonis. Merci à toi. Alors, je suis pas contre un petit peu de lead speak de temps en temps, mais là, ça fait pas mal. Ça faisait longtemps, tiens. A priori, j'en ai encore 3 en changed. Tiens, on va aller les chercher. Alors, on a justement on a l'application du contexte. On a ensuite la synchronisation. Ouais, bah oui, je lance un rsync. Ah non, celui-là, le synchronize HTML to document route. Si, c'est ça, c'est un rsync. Et il dilate. C'est parce qu'il dilate à chaque fois le config.ang.php. Normal. Et là, qu'est-ce qu'il a changé? Il a relancé, bah oui. Donc ça, c'est un changement aussi. Donc il y a bien 3 changements. Systématiquement, ce playbook fait au minimum 3 changements. Donc, je vais commencer par commiter tout ça. Et ensuite, on va voir un petit peu justement ces petits trucs qui pourraient être améliorés. Alors. GitHub HP Nils, la base code. Pour éviter le rechargement du php.ini, tu peux register une variable sur le line in file. Alors oui, c'est une idée, cool geek. L'idée que j'avais. Ce serait de recréer un... Comment dire? Ce serait de refaire un notify, en fait, et de recréer un handler, en fait. Parce que je pense que, de toute façon, le handler, il peut être pratique à avoir. Alors, ça fait un peu, peut-être, copier-coller de code, en soi. Alors...
Est-ce que... Ok. Bon, c'est cool. Mais c'est marrant de voir, justement, quand on regarde ce genre de choses, c'est marrant de voir la manière dont deux personnes vont envisager la chose. Toi, tu penses à la variable, moi, je pense au handler. Bon, c'est peut-être aussi parce que là, on parle de recharger un service, de relancer un service, ou plutôt un démon. Peut-être que pour d'autres sujets, on aurait des approches soit plus proches, soit complètement opposé. Alors, je vais juste les synchros. Hop, je l'ai fait pas devant l'écran, mais je vous rassure, je suis en train de récupérer le code. Avec le register when, tu aurais un skip sur cette task. Avec le handler, tu le verrais même pas. Ouais, mais à la limite, le handler... La question que je me pose, en fait, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de le voir? Parce que typiquement, quand on est là, tu vois, il y a plein de trucs qui sont en skipping. Le pire, c'est, je crois, sur les trucs Nginx, de chez Nginx officiel, t'as des skips en pagaille. T'en as plein. Parce que alors je pensais pas aux configurations Linux, mais tu as le Nginx, setup le Nginx Plus License, il le skip. Parce qu'on a installé un Nginx open source depuis les repos officiels Fedora et pas depuis genre chez Nginx où on l'a pas installé depuis les sources. Et en fait, du coup... il va skipper tout ce qui est Debian, notre distrib, ce genre de choses-là, en fait. Et je trouve quelque part que c'est un peu lourdingue dans l'affichage et dans les logs. Alors. Hop, je vais revenir. Non, pas ici. Ici. Si je refais un git status, je fais un petit git diff. Alors. Bah après, je trouve ça pas déconnant que quelque part, chez Nginx, il prévoit de nombreux cas de figure. Et je serais pas surpris d'ailleurs que ça leur soit très utile en interne pour faire notamment du test. Parce que le rôle Nginx, alors attendez, on va passer sur le... hop, ici. Si je reviens chez Ansible, Galaxy, home, search, allez, on va search. Si je tape Nginx, Nginx Core, est-ce que c'est celui-là ? Nginx, open source. Pas de soucis, cool geek. Merci en tout cas de lurker. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que on peut installer avec ce playbook Ansible. Je sais plus où c'est indiqué. Le deploy Nginx. Ce serait lequel?
Mais en tout cas, on peut le compiler depuis les sources, en fait, via cette méthode-là. Et je trouve ça assez, assez classe. Parce que justement, si ça se trouve, les gens de chez Nginx s'en servent en interne pour, par exemple, qualifier une nouvelle version. Donc, ils vont comme ça automatiser l'installation d'une nouvelle version qu'ils veulent rendre publique. Et de cette façon, ils peuvent compiler sur une machine de test et ensuite vérifier qu'avec une conf donnée, ça fonctionne. Donc je trouve ça assez sympa dans l'absolu. J'aurais dû committer plus tôt, en fait. J'aurais dû committer plus tôt. Ouais, globalement, je vais mettre add PHP stuff, hein. PHP et MySQL stuff. Je sais que c'est pas très classe. Git add, on rajoute ça, on rajoute ça, on rajoute ça. Et on rajoute ça, hop, commit. Tout DVWA role. Hop, git push. Hop, git status. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui. Alors pour ça, je peux pas faire un ignore des rôles parce que tout simplement les rôles j'en installe, j'en crée, pardon. Ok. Et en fait, ce que je me dis, c'est que je pourrais peut-être tenter avec des submodules. Mais pour être honnête avec vous, chaque fois que j'ai voulu jouer avec les submodules dans Git, je me suis... comment dire? J'ai jamais réussi à m'en servir correctement. Donc, on a plusieurs possibilités. Soit je les ignore spécifiquement en disant tout ce qui est dans Ansible Role et qui est girlinguy, point étoile, j'ignore. Soit je fais des submodules. Et ce qu'on peut faire... Ce qu'on peut faire, si je retrouve... Hop, voilà. On va se faire un petit sondage. Allez, ça faisait longtemps. New poll. Alors. Git ignore ou git submodule. Hop. Et on va laisser 2 minutes. Voilà. Et moi, je vais en profiter. Je vais vous planquer l'écran le temps que je me mouche. A tout de suite.
Hop, me revoilà. Il nous reste 1 minute. Alors, je ne vais pas dire où est-ce qu'on en est sur le résultat. On va attendre la fin. Mais a priori, je pars pas pour la facilité, hein? Vous avez décidé de me faire apprendre des choses. Enfin, peut-être. Ah, c'est moche là, c'est limite, je suis limite en train d'influencer le vote, non? Va falloir vous justifier hein, ensuite sur vos choix, hein. Enfin, va falloir. Ce serait quand même sympa que vous vous justifiez. Ou alors que vous me donniez un coup de main selon le cas de figure. Peut-être me défi. Toi, ta justification, c'est. Alors, GnuPG, donc GnuPG, tu es du genre. Mince. Tu es du genre. Sadique. Tu as envie de voir le streamer galérer. Bah, je ne suis que votre humble serviteur, quelque part. Allons-y, voyons voir les résultats. Et nous avons 75% de Git submodule et 25% de Git ignore. Donc 4 personnes ont voté. Il y a une personne qui s'est dit ouais vas-y on ignore les trois trucs là. Et il y a quelqu'un qui a dit non mais. Et fait 3 d'entre vous se sont dit non mais. Enfin, sur les 3 en tout cas, il y en a un qui a envie de me voir galérer. Et 2 autres peut-être qui sont en mode. Faudrait faire les choses proprement. Ce qui est complètement valide aussi comme argument. Donc. Hop, voilà. Je pense que vous avez dû entendre la cuillère dans la tasse. Alors, git submodule. Bon. Là, 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 là. Git submodule. Comment on fait ça? Si vous avez déjà utilisé les submodules, vous en êtes certainement revenu avec quelques cicatrices. Non, sans blague. En jurant, mais un peu tard, qu'on ne vous y reprendrait plus. Alors, pour l'anecdote, c'est ce que j'ai voulu essayer de faire sur mon blog. J'utilise Pélican pour mon blog et le mince et l'idée c'était justement d'utiliser des autres comment dire pour des plugins pour mon blog des plugins et des thèmes l'idée c'était de mettre des submodules. Je me suis dit que c'était la chose à faire. Salut à toi, The Real Fury. Alors, tu n'as pas bien suivi, mais un requirements.yaml pour récupérer les rôles déjà sur Git, c'est pas mal. Oui. Alors, je crois que j'avais mis un requirements, mais ça marchait pas. J'avais pas l'impression que ça marchait très très bien. Mais c'est quelque chose qu'on pourra aussi. Pardon, c'est quelque chose qu'on pourra aussi revisiter. J'aurais peut-être dû mettre requirements plus Git ignore. Mais a priori, si je dis maintenant, finalement, rien à faire du vote, je vais faire du git ignore, ce serait un peu me mettre à dos la communauté. Donc, la communauté a parlé et je vais faire du submodule. Je vais souffrir. C'est vous qui l'avez voulu. C'est ma chaîne. Ouais, c'est. Ouais, mais quand même, je suis j'essaye de suivre un minimum les sondages quand c'est moi qui propose le choix. Alors, donc, les submodules ont en effet l'art de nous faire arracher les cheveux. Ouais, pour ce qui m'en reste, avec leur piège omniprésent à la moindre manipulation. Pourtant, ils ne sont pas dénués de mérite, il faut juste savoir comment les prendre. Avec des pincettes, je suppose. Dans cet article. Tiens, je vous envoyais le lien parce que bon. Hein. Hop là. Allez. Je vais même zoomer un petit peu.
Alors, les submodules comme les subtrees visent à exploiter le code d'un dépôt tiers, ouais, quelque part au sein de l'arborescence de votre propre dépôt. C'est exactement ce que je veux. Ça tombe bien. L'objectif généralement de bénéficier d'une maintenance centralisée du code tiers à travers tout un tas de dépôts conteneurs sans avoir à se taper du copier-coller malhabile et peu fiable. Oui. Afin de simplifier la suite du texte, nous appellerons module ce code tiers présent quelque part dans l'arborescence des dépôts conteneurs. Pour le code du projet utilisant le module au sein, on parlera de conteneurs. Ok. Alors attention, donc on va parler de conteneurs, mais on parlera pas de Docker. Hein. Attention, deux choses différentes. Il existe des cas de figure dans lesquels cette présentation émet impératif, directé. 1. Tu fais git submodule init dans ton repo, ou git submodule update moins init moins récursif si tu veux les mettre à jour dans ton repo courant. 2. Tu crées tes repos. 3. Tu fais git submodule add. 4. Tu profites. Et peut-être, effectivement, peut-être. Mais GnuPG, je croyais que tu voulais me voir souffrir. Ah non, galérer, pardon. Tu voulais me voir galérer. Par exemple, les thèmes et plugins WordPress PrestaShop sont souvent de facto installés par leur simple présence à des endroits convenus de l'arborescence du projet. Et c'est là leur seule installation possible. Pour un cas strictement local et non versionné, des liens symboliques suffisent probablement, mais ce n'est pas le contexte de cet article. Oui, c'est vrai que c'est ce que j'aurais pu faire aussi. En revanche, dès lors que la technologie employée par le conteneur permet une notion de packaging, gestion formelle de dépendance. Non, tu m'as pris en pitié, c'est gentil. C'est gentil, GnuPG. Ah, tu t'es revu en train de galérer avec les submodules. Alors. La triste vérité sur les submodules. Submodules. Alors, parce que la vigilance constante, ça ne marche jamais. Ok. Bon, allez. En vrai, quand ça marche, ça marche. Le problème, c'est quand ils sont désynchronisés que c'est une tannée. Bah, c'est un peu... Bon, on va tenter. Hein. On va tenter, on verra bien. De toute façon, je suis aussi là pour apprendre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre ici. Ah, excellente question de Real Fury. Est-ce qu'on peut gérer les tags ou les versions avec les submodules? C'est vrai que ce serait pas mal. Plutôt que de directement faire du git pull master. Tu peux fixer sur un commit. C'est très bien ça. Bon, déjà on va y aller. Alors. Nginx Core, nanana. Salut à toi Fabou. Girlingguy.php. Et ben on va tenter celui-là. Et son GitHub repo, il est ici. Donc, si je reviens ici dans mon labas code. Donc tu me disais GnuPG 1, je fais git submodule init dans mon repo. Git submodule init. Et ensuite je vais dans on va dire ici. Donc à la limite là maintenant mon girlingguy.php en fait je le dégage. Voire même je le. Ah mais du coup. Il va me mettre ça dans quel répertoire? Parce que là, si je fais un git... On va faire ça pour l'instant. Donc, je peux faire un git submodule add
Donc j'ajoute ça et je lui dis de le mettre dans girling.php. Voilà, donc là il est cloné. Et donc ce que je peux faire, c'est refaire la même chose. Je vais faire un m-rf de girlingguy.mysql. Hop, et il doit avoir dans ses, hop, dans tous ses rôles. Voilà, Ansible role MySQL. Et on va pouvoir récupérer le nom du repo. On a dit que c'était point MySQL. Nice pick, Jeff. Oui, hein. J'avoue, hop. Hop, la photo de Jeff. Donc Ansible role, on dit MySQL.git. Voilà, on va faire un rm-rf de girlingguy.php-mysql. Puis on va faire pareil ici, on va dire php-mysql. Et alors, comment il s'appelle son repo? Je suppose qu'il s'appelle php-mysql, mais dans le doute. Il est où? Ils sont où tous ces PHP roles? Alors. Et le GitHub repo, il est Ansible role PHP MySQL. Ok. Donc. Voilà. Et donc, pour lui, pour le moment, il y a des new files. Et donc, il va falloir que je commit tout ça. Si je pige bien. GitHub point, je suppose. Quand même revérifier dans le. Hop, il est où le truc? Ouais, bien ajouté le point git module, les repos étaient bons. Eh ben, écoutez, GitHub, on va faire hop, comme ça. Voilà. Git commit et on va dire add pop 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 pom add external Ansible role as submodule. Tu peux regarder ce qu'il y a dans le point git module et regarder dans. Ok, alors. D'accord, et à chaque fois il rajoute des submodules, ok, comme ça. Ah, tiens, il n'y a pas de. Module, Ansible, role. Ok. D'accord. Bon, ça c'est fait. Maintenant, on va revenir ici. Tiens, on avait touché à ça. Qu'est-ce qu'on a fait là-dessus? Ansible collection commun. Mais je les avais fait cette modif. Je l'ai faite normalement. Ouais, c'est ça. Je les ai fait les deux. Donc. Donc a priori là, tiens si, il y a ça aussi que j'ai pas.
Interpréteur Python égale auto. Ouais, mais a priori ça passe. On va faire le gros bourrin. Git reset moins moins hard. Git pull moins R. Et alors, il me faut. Ah, tiens, le requirements.yaml, je l'ai pas. Voilà. Par contre, voilà, le contenu est vide ici. Et je suppose qu'il faut que je rajoute un truc du genre moins moins submodule. Git submodule update. Git clone moins moins récursive. Ouais, c'est là que. C'est exactement ça. C'est exactement là que je voulais. Je peux tenter un git submodule update mon init, mon récursive et brûler un cierge. Ah bah écoute, soyons fous. Soyons fous. Git submodule update moins moins init moins moins récursive. Ça a l'air d'être plutôt bien parti. Je dirais même. Et effectivement, Real Fury, je pense que là, je récupère forcément le master. Mais dans ce cas de figure-là, moi, ça ne me dérange pas pour l'instant. Ah, je peux faire un git submodule update comme ça. Ouais, bon, je change rien. Logique, normalement, j'ai tout récupéré. Ah, git config hein, alias.spool, git pool, git submodule sync moins moins récursive. Et git submodule update init moins moins récursive. Ah, ça c'est intéressant. Oui, effectivement, The Real Fury, ça fait plus de manip. Mais c'est l'occasion d'apprendre en fait. Ah, lui il a carrément créé un petit fichier où il fait git pool. Il fait un git submodule sync et il fait un git. Ok. Il n'y a pas de souci de MuPG. Il y a des fois, il y a des automatismes qui ont du bon. Bien. Mettre à jour un module, un submodule. C'est... Ouais, et puis quand tu fais ton git checkout. Master, git pull, rebase. Ok, faudra que je... À ce stade, le gros danger, c'est oublier de pusher le submodule. Ok. Bon. Bah écoutez, pour le moment, je suis propre. Je suis sur la branche main. Hop. J'ai tout ce qu'il me faut, a priori. Donc. Ben, The Real Fury, effectivement, si je comprends bien, ben, le but, c'est effectivement d'avoir dans la conf le checkout qui est sur le même commit.
En tout cas, sur le même commit dans les submodules. C'est intéressant cette conversation. Moi, ça me plaît bien. Donc, je suis pas mécontent d'avoir choisi la voie des submodules. Enfin, de vous avoir laissé choisir la voie des submodules. Ah, il pointe toujours vers un commit. Point git. Non, on a dit point. Point git module. Parce que là, il indique pas de commit. Si on regarde dans girlingguy.php. Avec hop, un S en moins. Et ah oui, effectivement. Il montre les commits. Et si je reviens ici sur mon post. Ouais, il me dit les mêmes choses. Ok. Bon, pour le moment, je vais laisser ça comme ça. C'est plutôt pas mal pour apprendre, je trouve. Alors, vim-p ansible rule. On a dit dvwa. Et ce que je voulais, c'était le task main.yaml. La même chose avec le var. Le vars. Voilà. Je sais plus si j'ai si j'ai créé un handlers. Non. Je ne l'ai pas créé. Alors. Un trou de mémoire. Bah, de toute façon, c'est très simple. Hein. Je vais littéralement copier, copier ce que je trouve. Dans les handlers. Dans main.yaml. Et en fait, c'est. Ça va être plus ou moins ça. Pas plus ou moins ça, c'est qu'en gros restart PHP FPM. Si il y a quand même un when qui va être intéressant de mettre, et ce sera à ce niveau là en fait. Remarque, c'est non, c'est j'ai pas besoin de when en fait, c'est hop, c'est moi qui vais rajouter le truc. Voilà. Alors. Non, j'étais pas là. Hop, oh là là. Le petit roman de Gnu PG. Ah oui, qui précise. Oui, d'accord, qui précise effectivement les choses. Effectivement, il est fort probable que quelque part dans les fichiers, dans le répertoire .git, il y a quelque chose qui indique où est le
où est stockée l'information. Ok. On va tenter ça comme ça. Et on va relancer ça et on va voir ce que ça donne. Hop. Donc. Donc avant, j'avais 3 changements. Là, normalement, je devrais en avoir plus que 2. Puisque ça, c'est déjà modifié. Et du coup, il n'y a pas besoin de le restarter de PHP FPM. Et là, il a déjà eu 2 changes. On a l'application du contexte fichier et on a le git. Merci beaucoup pour le follow, Eve de Dieu. Merci à toi. L'occasion, pendant que le truc tourne, de vous rappeler que vous pouvez aussi, entre les streams, rejoindre le serveur Discord, hein, qui est indiqué par là, ou de toute façon, vous cliquez. Enfin, vous pouvez faire point d'exclamation socials avec un S à la fin pour avoir les liens vers tout ce qui est réseaux sociaux, le serveur Discord de la chaîne et aussi la chaîne YouTube de la chaîne qui est en retard d'environ 250 abonnements par rapport aux followers ici. Donc n'hésitez pas à aller cliquer sur le petit bouton d'abonnement sur la chaîne YouTube, ça fait super plaisir. Et en plus, comme ça, si jamais vous avez envie de revoir des anciennes vidéos d'il y a longtemps, vous pouvez les voir sur la chaîne YouTube, alors que Twitch, ici, ne garde que 2 semaines. Ou un peu plus, si jamais vous êtes sub, si je me rappelle bien. Sub ou Prime ? Je sais plus. Pendant ce temps, donc, 2 changements. Voilà, on n'a plus que 2 changements. Donc on n'est pas loin d'avoir un truc qui est entièrement, comment on dit, idempotent. Ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais relancer de fait une synchro ici. Ou pas. Alors, je suis en train de me rappeler que, effectivement, me faire un rsync, parce qu'en gros, je commit depuis mon poste de stream, là, cette machine-là, et je code littéralement depuis le ISP1 VPS1, auquel j'arrive à me connecter en SSH. Donc, ce que je peux faire, dans l'absolu, c'est ajouter ma machine ISP1 VPS1 en tant que remote de mon truc sur mon poste, et je peux cherry pick les commits et ensuite les push littéralement sur GitHub. Salut à toi Black Radbit, bienvenue. D'ailleurs doublement bienvenue puisque first time chat. Alors non, The Real Fury, je ne peux pas push depuis ma VM, tout simplement parce que ma VM ne possède pas les clés nécessaires à envoyer sur GitHub. Et je ne veux surtout pas que sa clé puisse pousser directement sur GitHub. C'est une machine de test, donc je préfère éviter. On va essayer ça, tiens. Git add remote. Euh,
Oui, je peux utiliser SSH agent pour faire transiter ma clé, mais je ne suis pas très certain que ce soit bien sûr. Enfin, bien sécure. Git remote add. Alors, git remote moins v, tiens. Git remote moins v, déjà. Donc, a priori, j'ai ça. Ok. Donc, ce que je peux faire, c'est faire un git add ISP1 VPS1. Et ce sera du coup SSH 2. slash slash, je crois. Hop. Et on va dire ISP1 VPS1 du coup slash alors hop. Match. Bah oui, normal. Est-ce que je lui mettrais pas pour example.com, git remote add. Flash Panther, oui, tout à fait. Git remote add, tout à fait. Il me manquait bien le remote. Et il n'y a pas de souci, Flash Panther. Tu es le bienvenu, d'ailleurs, bienvenue à toi. Voilà. Donc ensuite, git remote-v qui m'indique bien ça. Et donc maintenant, maintenant je dois pouvoir commiter mes petites modifs. Donc si je reviens ici et que je fais un git status, j'ai le handler. Alors git add, hop, git add, hop, git commit, et on va dire Ansible switch, hop, switch. PHP FPM restart to handler. Au pire, en HTTPS, tu peux faire un push avec login plus token en one. Oui, en one shot, ouais, il y a moyen. Mais c'est pas une méthode qui me botte. Alors, ah oui, il faut que je fasse ça aussi. Allez, git. Hop. Alors, de mémoire, je voudrais juste vérifier et pas afficher des bêtises. Bon, alors le name, je mets toujours généralement mon vrai nom. Hop. Et pour ce repo, par contre, je vais juste ne pas mettre le moins moins global. Et de toute façon, le user email, je crois que vous pouvez le voir sur GitHub. Merci beaucoup pour le follow, BlackRabbit. Merci à toi. Ouais, ce soir, c'est plus soirée Git hein, que soirée Ansible, j'ai l'impression. User.email. Qu'est-ce que j'ai mis comme email sur GitHub? J'ai mis un alias pour GitHub. Hop. Voilà. Et on va pouvoir faire un git. Voilà. J'aime bien le fait que ce soit bien documenté. Enfin, bien documenté, que ce soit bien précisé là-dedans. Voilà. Ça, c'est cool. Maintenant que ça c'est dans Git, je dois pouvoir revenir ici, voire même en fait, je suis en train de me dire si je fais un git lg, j'ai le commit. Donc ensuite je dois pouvoir faire un petit cherry pick, voire même plutôt un git checkout du truc, sans forcément. Est-ce que je peux faire un git checkout de ISP1 VPS1. Alors la branche c'est main, hein, mais c'est pas comme ça? Non, c'est pas comme ça. Quand il dit les remotes, comment il dit de. Checkout, on va dire alternative remote. Hop, ISP. Ah oui, slash main. Ok. Hop. ISP1 VPS1. Pourtant, il l'a. Non.
Ah, c'est GitFetch plutôt. Non. Git branch moins V moins A. Tac tac tac. Sans le slash main. Non. Non, non, non. Alors. Ah, c'est à cause du moins T, non? Non, c'est lequel? Ah, avec le fetch, ouais. Hop. Ah, ouais, voilà, là il a récupéré des choses. Ok, et ensuite, je dois pouvoir git cherry pick. Hop, et git cherry pick. Donc, je dois pouvoir faire un git cherry pick. Et si je prends le numéro de commit, alors je pense qu'à mon avis, il va réclamer le git status. Je suis bien sur la branche main. Mais ma branche est nanana, git lg. Effectivement, j'ai le. Nanana, ok. Et si je fais git push direct comme ça, il a envoyé ça sur github.com. Et on va pouvoir aller vérifier ensemble. Move tab to a new window. Hop. Je reviens à la base code et le dernier commit, c'est bien Ansible switch PHP FPM. Je peux même regarder, hop, mon historique et effectivement voir que de ce côté-là, on est bon. Et du coup, si je reviens ici là sur la machine sur laquelle je code, git pull-r, et là il va me dire reapply cherry picks. Ah ok, bah écoute, ouais si tu veux. Non. Already up to date. Bon. Ah d'accord, c'est juste le. Bon, ça passe. Nickel. Voilà. Comme ça, au moins, ce sera un petit peu plus pratique que de. Je pourrais directement committer sur la machine sur laquelle je dev, et ensuite je pourrais réappliquer les commits si besoin. Ce sera bien mieux. Alors, maintenant qu'on a fait ça, il nous reste deux. On a dit il nous restait deux. Si je descends tout en bas, il nous reste deux changements. Il nous reste. Ah oui, il nous reste le file context, SE Linux. Alors, on a. Alors, Nginx, SE Linux, apply file context. Alors, on va essayer de voir si Ansible a changé depuis un peu. Parce que je crois que ça, c'était pas vraiment jouable. Ansible, SE Linux, apply. C'était quoi que je voulais faire? Ah ouais, faire un restore con. Alors. Ouais, non, dans les exemples, il dit bien.
Donc en gros, ils auraient un peu un souci justement avec ça, que ne pas appliquer les contextes SE Linux. Parce que moi, à la base, j'avais quoi? Oui, c'est qu'en fait, j'applique des contextes, en fait, et derrière, je fais un restore con. Pourquoi je mets moins IRV moi? Ah, parce que c'est ici dans la doc ils disent. Ça fait quoi Alors, moins I, ignore files that do not exist. Moins petit R et moins grand R, c'est récursif. Ok, et V, c'est montre les changements dans les labels. Et le moins P, c'est show progress. Ok, d'accord. Donc. Donc, en gros, a priori, si je comprends bien ce qu'on a ici, je peux pas faire mieux. Je peux pas faire mieux, donc ce n'est pas idempotent et j'aurai toujours en fait un changement. Ok, dommage. Dommage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi cette partie avec la synchronisation du répertoire HTML. Même en utilisant changed. Changed when. C'est une bonne question, ça. En gros, tu voudrais que je fasse le. Peut-être en me basant sur le stdout de la commande. Alors. Ouais, en gros, tu voudrais que je rajoute une variable là-dedans ou que je vérifie que le truc s'est appliqué. Parce qu'a priori, quand je regarde la task qui dit Allow Nginx to write, c'est vrai qu'il me met OK. Il me fait un OK. Donc. Donc en gros, je pourrais dire que je préfère un when seulement quand l'autre task ici est en changed en fait. Alors est-ce que je peux plutôt regarder ce que sort la commande RestoreCon. Bah en fait.
Attends, si je fais à la main, effectivement, le Restore Cone. Alors, 3W base. 3W base. Normalement, ça doit être ça. Ouais, effectivement, si j'ai aucun souci, il me fait. Donc je fais un changed. Donc ce que tu veux que je fasse, c'est que je fasse changed when. Ici, je mets false. Alors, shell cmd find. Ah, faut que je registre la sortie de la commande, d'accord. Merci beaucoup pour le follow, pomme d'api, merci à toi. Alors, register. Alors, donc pour toi, ce serait, je fais un register. Ouais, j'enregistre un truc. Register underscore et je peux faire register 2 points. Et on va dire changed, modified context, on va dire. Et changed when. Et là, je dis modified context différent de ça et sans doute avec des voilà. On va tenter comme ça. Allez, c'est reparti pour un tour. Point std out. Ah oui, il manquait le point std out effectivement. STD out. TMP Ansible, hop. Et ensuite, playbook, hop. Et c'est reparti pour un tour. Le playbook devait... Bah oui, normal. Voilà. Alors, bon, pour le moment, il est en train de refaire le truc. Alors. Il est en train de nous refaire les bignous. Je pense que ce sera notre dernière action de la soirée. Je commit ça et après, au dodo. Hey, bravo! Change, il n'y en a plus qu'un. Donc, bien vu, The Real Fury. Si on regarde... Alors, je ne sais plus jusqu'où je peux me remonter. Donc là, il... Ah oui, ça va, installation de... Apply file context. OK. Alors, maintenant, ce qu'il faudrait, c'est que je... C'est que je change. J'ai peut-être un moyen de le faire. Bon, on va faire le test. C'est que ici, sur cette machine-là. Voilà.
Si je fais un nv log. Alors, on va couper Nginx d'abord. System setup stop Nginx. PHP FPM. Voilà. Je tiens nv de log vers log 2. Voilà. Donc, a priori, mon log 2, il s'appelle. Il a toujours la. Le même contexte SE Linux. Et si je fais un mkdir. Mk. Ah! Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Hop, mkdir log. Je fais un ls-hlz. On voit bien que là, le log, il a un httpd 6 content. Ok. Bon, il n'y a rien d'intéressant dedans. Hop, log 2. Et donc, ce que je vais faire maintenant, c'est je vais relancer le truc. Ah, il va me faire plus de changements parce que j'ai coupé PHP FPM et j'ai coupé Nginx. Mais normalement, on devrait voir passer le, la partie SE Linux, l'application des contextes. Alors, c'est une excellente question, The Real Fury. Je n'ai pas encore pris le temps de mettre des tags. On pourra envisager ça lors d'un prochain stream. Je crois que justement, lors du stream de la semaine dernière, j'étais en mode... Bon, il faudra peut-être qu'à un moment, je me mette à ajouter des tags. Donc, c'est une excellente idée que tu as. Alors, pendant qu'il repart. Ah oui, pour déboguer, ça va plus vite, effectivement. Surtout que là, on pourrait au bas mot mettre deux ou trois tags, un pour Nginx, un pour PHP, un pour MariaDB. Alors, donc, il m'a fait deux changes. La question, c'est qu'est-ce qu'il a changé? Eh bien, il a changé la partie Git. Mais je vois pas le reste avant. Allez. Toutoum. Donc, il a bien... voilà, il a appliqué le truc SE Linux. Et là, par contre, il m'a mis un change sur l'application du contexte de fichier. Donc, bravo Real Fury, puisque grâce à toi, cette partie-là est maintenant propre. Il ne nous restera plus qu'à gérer cette histoire de Git. Et oui, je parlais de vouloir mettre un utilisateur dédié aussi pour PHP. Allez, on va committer ça et on va s'arrêter là pour ce soir. Donc, je git commit directement, hop, celui-ci. Alors, merci beaucoup pour le follow, Pathfinder Bion, merci à toi. Et merci aussi pour le follow, The Real Fury, merci à toi. Je crois que je suis un peu en avance sur la notif, par contre. Voilà. Alors, tu veux voir la suite? Pas de souci, ça me va. Ansible, et ben do not register as changed when restore con does not apply to files directories. Does not have any effect. Hop. Bah, je vais pas faire un git push ici. Par contre, on va revenir ici. On refait un checkout de ISP VPS1. C'est pas un checkout. Ah, c'est un fetch.
Hop, voilà. Et on va refaire le cherry pick. Hop. Alors je pense que je pourrais lire les lister les commits directement depuis ici. Bah tiens d'ailleurs je crois que je l'avais là. Ou presque. Ouais c'est ça. J'avais la fin ici. Git cherry pick. Voilà. Et git push. Pouf. Git pull -r. Already up to date. Parfait. Et donc si je reviens sur Move to new window. Hop, je suis ici. Alors, hop, on va remodifier ça. Voilà. Et puis, on va rafraîchir la page. Et normalement, voilà, c'est bon, je l'ai ici. C'est-à-dire, je m'étais trompé ici, j'avais mis un A majuscule. Avant, j'en mettais pas. Pour rendre 6 balles. J'ai pas envie d'aller éditer et push moins force, mais. Enfin, j'ai la flemme de le faire, mais honnêtement, ça me titille. Bref. Bref, eh ben, je suis très content, je suis très content. Je sais pas vous, mais je trouve que ça a bien avancé quand même ce soir sur ce sujet-là. C'est assez cool, on a vu des choses intéressantes. Honnêtement, je m'attendais à galérer plus que ça sur les git submodules, mais qui sait, peut-être que ça va venir me mordre dans le futur. Je ne le souhaite pas. Croisons les doigts, les amis. Pour que cette histoire de submodule ne vienne pas m'embêter de sitôt. L'autre truc assez cool, c'est que comme ça, au moins, j'ai pu aussi améliorer mon, je dirais mon workflow, ma manière d'avancer sur ce projet, qui, je l'espère, vous plaît aussi. Moi, en tout cas, j'ai hâte de pouvoir continuer et d'avancer aussi sur d'autres thématiques, sur ce même labo. Avant de se quitter, les petits classiques, vous savez, les trucs du genre retrouvez-nous, même heure, même chaîne, sauf que ici on n'est pas à la télé. Habituellement, je stream les jeudis et les dimanches, donc exceptionnellement aujourd'hui, j'ai streamé un mercredi parce que demain jeudi je ne suis pas disponible. Généralement, c'est de 20h à 22h pour les jeudis, et les dimanches, c'est plutôt de 18h à 20h. Les jeudis, donc, c'est plutôt orienté infrastructure as code et gestion de configuration, comme on a pu le voir ce soir. Donc, généralement, sur la thématique de mon home lab as code. Le dimanche, eh ben, ces derniers temps, les dimanches, je me suis amusé à faire du CTF, du Capture the Flag en cybersécurité, sur la plateforme TryHackMe. Qui possède différents niveaux pour justement ces captures de flag. Le principe, c'est que il y a différents scénarios de machines avec des configurations ou des vulnérabilités diverses. Et l'idée, c'est d'aller réussir à compromettre cette machine, à d'abord rentrer dessus en tant qu'utilisateur, voire même rentrer dessus en tant qu'administrateur et de trouver un fichier qui appartient à l'administrateur. Il a un contenu et il faut poster le contenu pour pouvoir réussir le capture the flag. Et en fait, c'est justement ce fichier, ce contenu, est ce qu'on appelle le flag, le drapeau. Ce sera probablement. Alors, j'aime bien faire ça de temps en temps, mais pas non plus trop de manière souvent. Et donc, normalement, ce sera, je pense, la dernière session de CTF de cette période-là. Merci à toi pour le follow, Tousi. Merci à toi, c'est très gentil. Donc, après, qu'est-ce qui va se passer? Mystère et boule de gomme. Enfin, je vais vous donner un petit indice, il y a des chances qu'on aille retrifouiller du hardware. Et ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas fait, donc ça me démange. Voili-voilou. Donc, comme tout à l'heure, jour précis, si jamais vous voulez revoir les vidéos ici sur Twitch, elles sont en replay pendant 2 semaines. Au bout d'un moment, ensuite, je les envoie sur ma chaîne YouTube. Que ce soit d'ailleurs pour ma chaîne YouTube ou pour les réseaux sociaux, si jamais vous voulez qu'on continue la discussion sur les réseaux sociaux, vous avez les liens qui s'affichent là-dessous. Vous pouvez faire dans le chat point d'exclamation socials avec un S à la fin, qui va vous donner le lien vers ma page perso anotherhomepage.org, qui contient tous les liens
vers Twitter, Mastodon, Instagram si ça vous amuse, et bien entendu le reste, notamment le serveur Discord, sur lequel la communauté commence à devenir de plus en plus active. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de soirée. Est-ce qu'on se ferait pas un petit raid? Est-ce qu'il y a des gens... Voilà, exactement, comme Toozy l'a fait, et comme ça ne s'affiche pas à l'écran, vous avez le petit Streamlabs qui vous dit « Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux ». Avant de se quitter, j'étais en train de me dire « Est-ce qu'on ne ferait pas un petit raid ?» Moi, je n'ai malheureusement personne dans mes follow sur le... sur la liste des gens à raider. Mais si jamais vous avez quelqu'un que vous appréciez et qui est prêt à accueillir une vingtaine de personnes, un peu plus, ça peut être une idée. Sinon ce sera une fin de stream sans raid. Ce qui n'est pas un problème en soi. Hein. A priori, personne n'a à aller raider. Bon, eh ben tant pis. Allez, c'est pas grave. Encore une fois, bonne fin de soirée. À ciao. Je vous donne rendez-vous dimanche. Bye bye.